Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le vestiaire dans ce cadre exceptionnel, vestiaire mythique, ici dans les sous-sols du stade Geoffroy Guichard. Bienvenue à Saint-Étienne. Les Verts nous ont ouvert ce soir les portes de leur vestiaire. Ce sont quatre joueurs, quatre Stéphanois qui ont carte blanche pour cette émission. Sans consultant, ils vont nous faire tout de suite découvrir les coulisses de leur club, les coulisses de la Ligue. Et on va accueillir quatre personnages très différents. On commence par l'enfant du club, le Vert de naissance, et capitaine de l'AS Saint-Étienne, monsieur Loïc Perrin. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Chez vous. Ouais, merci. Lui, c'est le dribbleur, leader souriant et attachant. Merci d'accueillir monsieur Wabi Kazri. Bonsoir Wabi. Il a fait son retour en Ligue 1 en fin de saison dernière pour le plus grand plaisir des Verts. Il a choisi de rester. Merci d'accueillir monsieur Mathieu Debuchy. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin messieurs, quatrième de vos, votre coéquipier. Lui a été complètement adopté par ce club, par ses supporters maintenant depuis qu'il y est. C'est sa septième saison. Merci d'accueillir monsieur Romain Amouma. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci messieurs de nous accueillir chez vous, ici, dans votre maison. Vous êtes habitués maintenant à cette maison. Est-ce que vous avez chacun une petite anecdote? Alors peut-être Loïc, d'abord dans ce vestiaire en particulier, est-ce que vous avez un souvenir d'une scène ici, dans ce lieu, qui vous a marqué? Des anecdotes, j'en ai pas mal. Après, ici, au sein de ce vestiaire, je me rappelle d'un après-match avec Alain Perrin et Cédric Varro, où on gagne le match 3-2, on gagnait 3-1, je crois qu'on prend un but sur la fin de match, et Cédric Varro qui rentre dans le vestiaire plutôt content et qui se fait un peu massacrer par Alain Perrin. Ouais, c'était une scène assez cocasse. Bon Romain, vous devez en avoir vous aussi des anecdotes dans ce vestiaire. Oui, il y en a pas mal d'ailleurs. Le vestiaire a bien changé parce que quand je suis arrivé, pas du tout comme ça, c'est plutôt un vestiaire de CFA, mais il a bien évolué. Mais non, moi, si je dois retenir un truc, c'est quand même les cris de guerre. On a toujours eu des cris de guerre assez particuliers. Il y en avait un qui a été inventé par Kurt Zuma, un jeune du centre, qui avait lancé ça. Et puis par la suite, il y a eu Olé qui nous a amené un cri de guerre de son club de Norvège. Donc voilà, non, c'est ces scènes de joie à la fin ça du match. Ça donnait quoi? Ouais, je veux pas le. Oh, c'est bien. Bah, allez. Arrête. Ouais, non, mais c'était bien. Je vais pas vous le faire. Je me rappelle même plus. Ils ont été pas mal repris, j'ai l'impression, les cris de guerre. Oui, les cris de guerre. Même de Olé, j'ai l'impression qu'ils ont été pas mal repris. Chez les jeunes, on l'entendait dans pas mal de clubs. Donc, on était des précurseurs. À début, je dois avoir des anecdotes avec son expérience. Non, mais ici à Saint-Étienne, ben moi je suis. Non, pas forcément à Saint-Étienne. Pas un ancien du club, mais c'est vrai que un des beaux souvenirs, c'était, je pense, en fin de saison dernière, où le dernier match à domicile, on bat Lille 5-0, je crois. Et où. Triplé de Romain. Ouais, avec un petit triplé de Romain, il faut le souvenir. Le ballon. Mais on rentre dans le vestiaire, c'est vrai que c'était depuis janvier, c'était. Un renouveau et donc on termine bien la saison et il y avait une très bonne ambiance dans ce vestiaire, donc pour moi c'est le souvenir que je garde pour l'instant. Et Wab, toi, avec papa Jean-Louis ou... Non, moi ici pas forcément. Oh, papa Jean-Louis. On va reparler de ça. Non, Jean-Louis c'est le papa de tout le monde. Non, moi après un truc qui est marrant, c'est en Angleterre où là-bas des fois ils mettaient la musique un peu forte avant les matchs comme nous, et moi qui venais d'arriver, je parlais pas très bien l'anglais forcément. Et du coup, quand le coach parlait ou quelqu'un parlait, j'essayais de me concentrer à 100% pour essayer de comprendre. Et une fois, c'était marrant parce qu'avant le match, on allait jouer. Ils avaient mis la musique pour se motiver, comme d'habitude, pour se détendre. Et je voyais que l'élève du coach parlait, en fait. Je voyais l'élève, le coach faire ça. Et moi, je ne comprenais rien, tu vois. Et j'étais là, j'étais mort de rire. Du coup, ouais, c'était un truc qui était assez drôle. Ouais, parce que Wabi est un très bon DJ. J'aime très bien... Très bonne playlist musicale avant le match. Ouais, content que ce soit. Ouais. On pensait que c'était Rémi. Moi, ça me correspond bien. Non. Rémi, il essaye, mais c'est moins bien. Rémi, on l'a arrêté, sinon on écouterait très bon. Wabi est très très bon. Et toi, Wabi, mais quoi alors du coup ? Qu'est-ce qui t'a fait signer là, du coup, aussi ? Moi, franchement, c'est vrai que le fait déjà que le coach avec Gis,
qui est Yann aussi, avec qui j'ai joué et que j'ai connu, qui m'ont beaucoup appelé. Et aussi le fait que ce soit un club mythique, pas parce que je suis ici, mais c'est vrai que voilà, Saint-Té, c'est, pour moi, c'est parti des 3-4 plus grands clubs en France. Et voilà, c'est une bonne opportunité. J'avais failli signer quand il y avait Christophe Galtier, ça ne s'était pas fait. Du coup, le train est repassé une deuxième fois, je suis monté dedans. Vous auriez pu rester au Stade Rennais aussi à cette époque-là? Ouais, j'avais deux choix. J'avais soit de rester au Stade Rennais, soit à Saint-Té. Et puis il y avait d'autres clubs aussi, non, peut-être? Non, il n'y avait que ces deux clubs-là. Après, voilà, il y avait un club qui voulait plus que l'autre. Et forcément, dès qu'il y a une personne qui te veut plus qu'ailleurs, tu vas, c'est celle qui te veut. Donc ça s'est fait ici à Saint-Té. Et content d'être dans le navire. Et tu avais le coach aussi au téléphone avant de venir. C'est lui un peu qui t'a poussé à... Ouais, il a commencé quand j'étais en Coupe du Monde. Il m'a envoyé 2-3 textos. Il l'a placé, qu'il a fait la Coupe du Monde. Ouais. Il se place un peu comme on peut. C'est en longtemps, ça. Ouais. Non, donc voilà. Deux buts, c'est ça ? Hein ? Deux buts. Ouais. On aura le temps d'en parler. Ah, c'est ça. Effectivement, ouais. Mais pas contre Pim Pam Poum. Mais pas beaucoup à pouvoir en parler, mais... Non, mais c'est vrai, content d'être ici, parce que franchement, je me plais. Tous les jours, je vais à l'entraînement, et c'est un plaisir de venir avec des gens qui t'apprécient, que tu affectionnes énormément, et j'espère que ça va bien se finir cette fin de saison. Mais détendez-vous. C'est vrai que c'est vrai que le coach, quand même, il a un impact sur la venue des derniers joueurs aussi, quoi. Parce que aussi, non, d'ailleurs. Pour vous, ça a été le facteur X pour vous, par exemple, Mathieu. Quels ont été ces mots, arguments moi, à Jean-Louis Gasset pour vous? Moi, clairement, ouais, c'est le coach qui m'a fait venir sur Saint-Té, et on s'était eu quelques fois au téléphone, et donc il m'avait expliqué tout le projet, et puis le fait d'avoir le coach régulièrement au téléphone et en message, tu sens qu'il a envie que tu viennes, et ça te pousse à venir, tout simplement. Tu as toujours des contacts avec lui, non, même après l'équipe de France, ou non, pas forcément? Pas forcément, mais bon, j'avais eu des bons souvenirs aussi en équipe de France avec lui, tu sais, et du coup, le fait qu'il t'appelle régulièrement, c'est toujours un plus pour venir. Ouais. Ouais. On peut savoir ce qu'il vous a dit, Mathieu, exactement? Quels ont été ses mots à Jean-Louis Gasset? Non, je ne peux pas tout dire. Un petit peu. Non, mais simplement qu'il me voulait absolument, on avait parlé de la Coupe du Monde aussi, parce qu'en fin de saison, il y avait la Coupe du Monde. Donc, pour moi, c'était important aussi, parce que j'avais envie de la faire. Et donc, lui m'a dit que si je venais sur Saint-Étienne, j'allais la faire, et j'allais me relancer, et puis j'allais pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et vous qui avez fait du coup plusieurs clubs, qu'est-ce que... Parce que moi, du coup, je suis toujours resté ici, mais qu'est-ce qu'il y a, par exemple, ici, qu'il n'y a pas forcément ailleurs? Qu'est-ce qui démarque ce club? Je pense que c'est un peu comme en Angleterre, il y a cette passion du football, tu vois, la ferveur des supporters. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé ici, que j'ai vécu, par exemple, à Newcastle. Ouais, c'est un peu ou que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu as toujours les supporters qui viennent, et sont nombreux. Et tu as vraiment une ambiance de folie, c'est ce que j'ai retrouvé ici. Ça a dû être un facteur pour vous aussi, Wabi. Forcément, ce club est complètement à part, notamment grâce à son ambiance, à Geoffroy Guichard, ses supporters qui vivent pour le club. Ça aussi, ça a été forcément un argument pour vous? Ouais, forcément. J'ai la chance d'avoir connu des clubs où il y avait une ferveur un peu à part, à Bastia, où c'est des fois... On va un peu dans la démesure, mais c'est quand tu es joueur de foot, c'est exceptionnel. À Sunderland, c'est pareil. Et c'est vrai que quand tu es joueur de foot, c'est toujours plaisant de jouer devant un public qui sort de l'ordinaire. Et c'est vrai que Mathieu a raison. Saint-Etienne, c'est un peu comme l'Angleterre. Je me souviens dès qu'on se déplaçait. Newcastle, derby Sunderland-Newcastle. Ouais, pareil. Où c'est comme Lyon, quoi. C'est une grosse rivalité. Et quand tu es joueur, ça te permet de te surpasser. Et bien justement, on va y aller sur cette pelouse de Geoffroy Guichard, et vous allez nous expliquer en quoi est-ce que ce virage notamment, et ce stade, ces supporters sont si importants lorsqu'on porte les couleurs de l'AS Saint-Étienne. On y va ? Allez, c'est parti ! Mathieu, Wabi, aujourd'hui vous traversez ce couloir et vous arrivez sur cette pelouse avec les couleurs de l'AS Saint-Étienne, mais pendant longtemps vous êtes venu dans ce stade. Quand vous veniez... Du coup, ici, en tant qu'adversaire, est-ce que déjà à l'époque, vous vous disiez que c'était l'une, voire la plus grosse ambiance de Ligue 1 à Geoffroy Guichard?
Ouais, pour moi, ça fait partie des plus grosses ambiances qu'il y a en Ligue 1. Et puis, je l'ai découvert encore plus justement en signant ici. C'est vrai que, mis à part de temps en temps où ils sont suspendus et il manque une partie des supporters, mais sinon, c'est vrai que il y a toujours une ambiance exceptionnelle et c'est un public qui te pousse jusqu'au bout. Et vous, Wabi, est-ce que vous considériez Geoffroy Guichard déjà à l'époque lorsque vous étiez à Bordeaux ou au Stade Rennais comme l'une des plus grosses et des plus belles ambiances de la Ligue 1? Ouais, pour moi, elle fait partie dans le top 2 des plus belles ambiances, si ce n'est la plus belle. C'est vrai que maintenant, j'ai la chance de la connaître en tant que joueur de la Saint-Étienne, et j'ai notamment le souvenir contre Marseille où on marque dans les derniers instants et le stade, tu as l'impression qu'il explose. C'est toi qui marques, quoi. En plus, du coup. C'est pour ça qu'il la raconte. Voilà. J'ai pas dit que j'avais marqué, j'ai juste dit qu'on marque. Mais c'est vrai que voilà, l'ambiance est exceptionnelle et que, comme il dit Mathieu, quand ils sont là au complet, ils te poussent réellement à aller chercher des choses, des fois qui sont difficiles à avoir, notamment avec la fatigue ou avec l'adversaire qui te met en difficulté. Donc voilà. Merci beaucoup, Mathieu, Wabi. Vous pouvez rentrer au vestiaire. Nous, on va accueillir tout de suite Romain et Loïc. Romain, qu'est-ce que vous pensiez de Geoffroy Guichard lorsque vous veniez y jouer en tant qu'adversaire à Caen notamment? Racontez-nous ce que ça vous faisait de venir sur cette pelouse en tant qu'adversaire de la Saint-Étienne. Alors moi, quand je venais à Saint-Étienne, je venais avec Caen. Voilà, c'était un stade mythique avec un public de fous. Donc voilà, quand on est à Saint-Étienne, c'était toujours très compliqué de venir en tant qu'adversaire, mais c'est toujours exceptionnel en tant que joueur, de jouer dans un stade avec autant de monde, autant de ferveur. Et voilà, c'était toujours un déplacement difficile. Puis le stade était tout autre aussi. Il était un petit peu plus vieillot. Et voilà, maintenant, c'est exceptionnel de pouvoir y jouer et de porter le maillot. Mais c'est vrai que c'était compliqué quand même de venir jouer à Saint-Étienne. Vous vous souvenez de votre premier match ici, sous les couleurs des Verts? Ouais, je me souviens très bien de mon premier match avec Saint-Étienne ici. C'était à domicile contre Lille. Et il me semble que Loïc fait une passe dans l'axe pour moi. Je fais un 1-2 avec Renaud Coad et je marque. Donc voilà, c'est un super souvenir, une égalisation. Et là, c'est exceptionnel parce qu'on voit le public descendre des tribunes. Voilà, c'est démesuré, vraiment démesuré. Quand on compare avec un autre club comme Caen, où voilà, le public est content, mais il descend pas, c'est tout autre. Donc voilà, c'était assez exceptionnel comme première. Un très beau souvenir. Loïc, forcément, vous en avez des souvenirs dans ce stade, enfant du club. Si je dois vous demander de ressortir un souvenir, peut-être avec les supporters stéphanois ici, dans le Chaudron, lequel serait-il ? Oui, c'est vrai qu'il y en a, plusieurs. Un, ça serait peut-être la victoire lors du derby. Ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné. On avait réussi à gagner à Gerland, mais à domicile, ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné. Et on remporte le derby 3-0. Et là, ça avait vraiment été une très belle fête, des moments qu'on n'oublie pas dans le foot. Après, on joue au foot pour vivre des moments comme celui-ci. Et là, c'était vraiment une belle soirée. Merci beaucoup Loïc, Romain. On rentre au vestiaire, on va retrouver vos deux autres coéquipiers tout de suite. Alors Mathieu et Wabi, pour vous qui découvrez ce club, qu'est-ce que ça vous faisait il y a quelques années maintenant d'arriver dans ces couloirs en portant les couleurs d'un autre club, Wabi, que ce soit à Bordeaux, à Bastia ou même au Stade Rennais, lorsqu'on est adversaire de la Saint-Étienne et qu'on se déplace ici à Geoffroy Guichard? Est-ce que vous avez un match précis, un souvenir en particulier, en tant qu'adversaire ici? Ouais, souvent, quand le calendrier sort, il y a des matchs où tu coches, entre guillemets. Je me souviens que quand j'étais à Rennes ou à Bordeaux, c'est souvent le retour à Bastia, parce que voilà, c'est là où je suis formé, c'est le club, c'est mon club. Après, quand tu es ailleurs, forcément, Marseille, Saint-Étienne, et c'est vrai que Saint-Étienne, quand tu viens à Geoffroy Guichard, où le public, c'est un public qui sort de l'ordinaire et qui te permet de te transcender. Et franchement, c'est vrai que venir jouer ici en tant qu'adversaire, c'était une sensation forte. Mais en étant joueur de Saint-Étienne, c'est exceptionnel. Après, voilà, Capi et Rome, pour eux, ils sont plus habitués. Et forcément, ils peuvent en parler plus que moi. Je me rappelle quand tu as marqué le penalty. Non, tu as marqué un penalty avec Rennes. C'est ça. Tu allais chauffer un peu le public. Non, ça, non. Ah, ouais, ça, pour revenir dessus, c'est vrai qu'on avait pensé que j'avais...
J'avais chambré ouais, un supporter, alors que possible. Pas du tout. C'est non, c'est pas du tout dans vos habitudes en plus de chambrer. Ça peut arriver. Non, ah, vraiment, c'est pas vous. Non, c'est, tu sais, en plus, c'est vrai que j'avais, en fait, moi, quand j'avais marqué, j'allais aller voir la caméra comme d'habitude. Et donc, le supporter était venu à moi et forcément, il s'était mis en face de moi et j'allais pas me rabaisser ou... Ah, étant bien adopté, ça va. Entre guillemets, voilà. Me, oui, c'est bien ben, ça va, des premiers matchs, il a marqué. Donc, non, ouais, quoi, après, j'étais obligé de faire pareil avec Sainte pour me faire pardonner. Ouais, c'est bien, bravo. Non, mais moi aussi, j'ai un match en particulier. C'était quand j'étais au LOSC et on était venu gagner ici. Aïe, aïe. Ouais. Et, avec Hazard, non, c'était l'année du... Ouais, voilà ça. L'année où on, quand il a dribblé tout le monde, non? Ouais, je pense que c'est ce match-là. Je crois que c'est quand il a dribblé tout le monde dans la surface. Vous en souvenez, Loïc? Bah, je sais pas, bah, Hazard nous a fait mal. Lille nous a fait mal, mais. On est sorti du donc, coup de sifflet final et tous les supporters nous ont applaudi. Ah oui, ça, et c'est vrai que c'était un très beau souvenir. Et par rapport aux autres clubs que vous avez fait, la proximité avec les supporters, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous, en Angleterre, c'était. Justement, on n'avait pas de rencontre avec les supporters quasi parce que tous les entraînements étaient à huis clos. Donc c'est vrai que ça, en France, ça change et on a la proximité aussi avec les supporters durant la semaine. Donc, Et puis même quand tu vas te promener, enfin quand tu vas faire tes courses, non, ça vous a pas... Non, je sais pas Bastia, si c'est comme ça ailleurs. Bastia, c'est comme ça, parce que Bastia, c'est petit, tout le monde se connaît. Forcément, tu vas acheter le pain. Et puis Bastia, c'est le club de la Corse. C'est un peu comme à Saint-Té, dès qu'il y a le foot, voilà, c'est Bastia. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont... Franchement, quand tu es joueur, moi, j'adore ça. Après... Il y en a qui peuvent ne pas apprécier, mais c'est vrai que voilà, quand tu vas acheter ton pain, quand tu parles de foot... Ouais, tu as l'habitude du coup, tu l'as vu. Ouais, c'est agréable. Et ici, ça vous arrive aussi? À Saint-Té, c'est très souvent. En plus, on ressent vraiment le résultat du week-end dans le peuple vert. Et quand il y a les périodes compliquées. Ouais, en plus, on a vécu des moments compliqués. Et là, c'est plus difficile d'aller se promener en ville. Là, c'est plus difficile. Ouais, bah après, c'est comme tous les clubs, je pense, un peu populaires où... Ouais. Où tu as cet amour du club et du maillot. Alors, ça peut être exceptionnel, mais dans les moments compliqués, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu finis le match contre Lille et que tu te fais applaudir, et ce que je disais en rigolant, mais c'est vrai que c'est, en général, ce n'est pas bon signe pour nous. Quoi. C'est que, et c'est que ça peut être compliqué. Puis on l'a vécu il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Avant que tu arrives. C'était le plus chaud, c'était là, à ce moment-là. Il y a des derbies aussi. Ouais, je sais pas si c'était le plus chaud. Moi, j'ai connu des moments où les supporters ils sont venus dans le vestiaire à l'Etra. Ouais, en 2009-2010, où on a vécu vraiment des saisons très compliquées, où on est passé pas loin de la relégation. Les deux années de suite, ça avait été... Ouais, tu sens un peu la pression. Très compliqué. Ouais, mais ce qui est normal en même temps. Après, l'année dernière, c'est vrai que c'était une saison très compliquée. On a eu des mois vraiment très difficiles où on a même dû rencontrer les supporters, faire des réunions. Et là, c'est compliqué parce qu'on sent qu'ils sont malheureux. Et nous aussi, en fait. C'est deux rencontres qui ont la même opinion. Mais après, c'est vrai que pour nous, c'est des rencontres difficiles parce qu'on sait qu'on les rend malheureux. Mais quand on est dans une mauvaise période, malheureusement, c'est très difficile de s'en sortir. Donc c'est sûr qu'en tant que joueur, je ne sais pas comment Lolo l'a vécu, mais c'est compliqué. Ouais. Non, c'est pas des moments bien, bien marrants. Mais moi, je me souviens d'une scène. Alors, ce n'était pas un supporter stéphanois, mais c'était un supporter lyonnais. Quand on avait joué à Gerland et qu'on avait gagné 2-0, il y a un supporter lyonnais à la fin du match qui a voulu rentrer sur le terrain, un peu énervé, je pense. Et il s'est retrouvé face à Bayalsal, Kurt Zouma et Joshua Guilavogui. Ouais. Et je pense que ça lui a fait un peu bizarre, en fait, parce que c'était pas les plus légers. C'était pas des gringales. C'était pas les plus légers. Il a rebroussé chemin. Ouais. Alors, vous avez tous parlé de l'histoire, bien sûr, du club, de cet héritage des Verts, cet héritage des anciens. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous parle lorsque vous arrivez au club? Est-ce que Mathieu, Romain, Wabi, lorsque vous êtes arrivés ici, on vous a parlé de l'importance de l'histoire de ce club? Pas besoin forcément, parce que... Nous qui avons évolué en France, on connaît l'histoire du club et le passé. Donc, je pense qu'on s'est s'imprégné directement des valeurs de ce club. Moi, ça me fait penser aussi un peu aux valeurs qu'il y avait au LOSC, un peu cet aspect familial. Bon, après, il n'y a pas forcément le même palmarès, mais je me suis imprégné directement de ces valeurs. Vous êtes allé au musée, non, par exemple? Oui, on est allé au musée. Là, ça retranscrit bien, du coup, l'histoire du club. Oui, bien sûr, il y a tout au musée. Donc, c'est vrai que c'est une chose qu'on fait quand on arrive, c'est d'aller visiter
le musée qui est au stade. Et la mine aussi, la première année, ils nous ont fait aller à la mine pour qu'on puisse voir comment travaillaient les anciens et comment... Ouais, c'est important. Ouais, ouais, ils nous donnaient une lampe de mineur aussi quand on arrivait, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, on l'a eu aussi. Bah on va voir, justement, si vous connaissez bien l'histoire de votre club, cette grande histoire. On va vous tester un peu, on va tester vos connaissances. C'est déséquilibré, là, non? Ouais. Oui, bon, allez, Loïc, vous partez quand même avec un grand avantage, grand favori. Mais sait-on jamais? C'est l'heure du quiz, messieurs, jingle. Dans le chaudron, forcément, les questions que vous allez piocher, chacun votre tour. Des questions qui valent différents points et auxquelles vous allez devoir répondre. Bon Loïc, c'est vous qui commencez. Qui commence, honneur à l'enfant du club. Piochez dans notre magnifique chaudron. Là, je pose la question aux autres. Vous posez la question pour tout le monde et celui qui répond en premier. C'est grave, mais c'est incroyable. Quel joueur est la recrue la plus chère de l'histoire du club? Pour un point. Diony. Allez. Ouais. Combien? 11. 10. Louis Diony. Mais bon, bravo, tiens. Parfait, un point pour vous, Romain. Yes, j'ai bien triché. C'est grave. Mathieu, à vous. Ouais, allez. Deuxième question, c'est parti. On a triché aussi. Non, j'ai pas regardé. Promis, j'ai pas regardé. Promis. On s'est triché à l'école. Non, je suis pas comme ça. Qui était Geoffroy Guichard? Bah, c'était l'ancien. C'est pas le président de Casino? C'est le fondateur de Casino. Plus précis. Je l'ai dit, rebondis sur moi. Quelle année? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Là, ouais. Fondateur des magasins Casino. Ah là. Ouais. Et si on a le. Deux points pour Loïc. Un et un. Même là, on veut pas me donner. Sur le terrain, les contre moi, même là. Un et un, Wabi. J'ai appris à me contrôler. Wabi, c'est cadeau. Sinon, c'est le contrôle. Non, voilà, c'est le contrôle. 1919, carton à foule. Voilà, c'est moi l'arbitre maintenant. Romain, c'est parti. On pioche une question, on compte sur vous Romain, pareil pour Mathieu, 0 points tous les deux. Ah ouais, c'est pas... Alors, 3001 points. Qui est le dernier joueur de l'équipe de France ayant marqué en jouant à l'AS Saint-Etienne? Qui est le dernier joueur de l'équipe de France ayant marqué en jouant à l'AS Saint-Etienne? Ah, en jouant Baffé, Gomis. Bah oui. Baffé, Gomis, doublé contre l'Équateur, c'était doublé contre l'Équateur. En mai 2008. C'était 0,5 points. Un point. Ouais, c'est un point. Tu as 3 points. Super bien payé. J'en ai 2, Romain en a 1, toi tu en as 0. Ah, je vais pas perdre. Pas beau, c'est pas beau. T'as un point, toi. Ouais. Heureusement qu'on tient des comptes, hein, parce qu'il y a, y a un peu d'arnaque quand même. Il y a des. À quand on remonte la dernière fois que Saint-Etienne a terminé devant Lyon au classement d'une saison de Ligue 1? Bah, dis-toi au hasard. Bah, essayez. 96. Rome était là. 2014. Ouais, 2013-2014. Oui. 2013-2014, exactement. Ouais. Saint-Etienne avait terminé 4e, Lyon 5e. Ouais. Un point. Du coup, c'est vous, Romain, qui avez répondu. C'est Romain. Un point pour Romain. Mathieu, on tire une dernière question. On peut avoir les comptes ou pas, là, avant la dernière? Il y a 0, je crois, non? On va avoir les comptes. Il y a 2 buts, c'est à 0. Ah, bah, réponds de Buchon, laisse celle-ci. Ouais, elle est trop facile, je la dis quand même ou pas? Ah bah quand même. Ouais, question de rapidité, là, les mecs. Bon, Loïc, vous répondez pas. D'accord, ok. Vous laissez Romain et... Qui surnomme-t-on l'ange vert? Rocheteau. Quand même, Dominique Rocheteau, un point pour vous, Romain. Romain s'en sort bien aussi, hein? Ouais, je reviens. Bon, dernière question, Romain. 1-0. C'est bon. Pardon. Romain, la dernière question. Là-bas. Ah, c'est un roman, là. Oula. Oui. Pour 2 points. Le joueur mystère. Au cours de ma carrière, j'ai joué avec Stéphane Ruffier. Loïc Perrin, Dimitri Payet, Gomis, mais jamais avec Jérémy Clément, ni Joshua Guilavogui. J'ai joué avec Antoine Griezmann. Blaise Matuidi. Non. Raphaël Varane, Olivier Giroud, mais jamais Paul Pogba, ni Umtiti. Tu peux répéter la question? J'ai joué avec Mauro Icardi. Yann Bila. Guarine. Ouais, voilà. Bonhomme. C'est mon frérot, je suis obligé de trouver ce jeu. Combien de points c'est là? Pas mal. 8 points, c'est bon. Allez, c'est bon, vous remportez le show. Ah, c'est grave. On ne veut pas me faire gagner. Pas grave.
C'est bon, vous avez gagné. Ouais. Non, non, mais félicitations. Durant toute ma carrière, on a toujours voulu me tricher contre moi. Et ben, je me suis toujours sorti. Vous avez dit quoi? Durant toute ma carrière, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Avec mes... Mais non. Mais si, si, si. Mais pas c'est pas grave. Vous avez vu, on est de votre côté aujourd'hui. Non, mais j'ai pas besoin de ça, moi. Bon, alors, on a parlé un peu du coach tout à l'heure, mais si on a parlé de Jean-Louis Gasset, qui était donc le facteur X, un peu de vos arrivées, notamment à tous les deux, Wabi et Mathieu. Je vais vous demander plus concrètement, à tous les quatre, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Quelles sont ses méthodes? Qu'est-ce que vous appréciez avec lui? Est-ce que vous avez des exemples précis, dans le détail, vraiment de choses qui vous plaisent, qui vous plaisent de travailler avec lui à ses côtés? Déjà, la proximité qu'il a avec son groupe, moi, je pense que c'est important. On a une relation particulière avec le coach qui nous laisse... qui nous laisse certaines libertés pour travailler. Donc, moi, je trouve que c'est important tant qu'on respecte aussi les consignes et que tout se passe bien. C'est le cas depuis son arrivée à Saint-Étienne. Donc, voilà, après, il y a un respect pour nous. Nous, on a un grand respect pour lui et ça va de pair. Cette liberté pour travailler, elle se traduit par quoi exactement? Est-ce que vous avez des exemples? Non, bah, comme ce matin, on peut arriver en retard à l'entraînement. Non, la liberté, c'est voilà, par exemple, si on sent qu'on est un petit peu moins bien physiquement ou que voilà, si on demande à rester à l'intérieur pour travailler autre chose, voilà, il n'est pas contre, il nous laisse beaucoup de liberté dans voilà, il y a pas d'amende, il y a pas de trucs comme ça, il nous laisse vivre quoi. Après, voilà, moi, j'ai très humain. Oui, ouais, très humain. Oui, j'ai un petit truc. Moi, c'était quand il est arrivé, donc il a repris l'équipe au mois de décembre, enfin pas dans ces eaux-là. Et moi, j'ai ma petite fille qui était tombée malade. Et on devait partir en stage en Espagne. Et en fait, elle était à l'hôpital, donc j'ai pas pu partir. Et en fait, il m'a appelé tous les jours. Il m'a dit que je viendrais en stage si elle allait mieux. Sinon, c'était pas grave, il fallait que je reste auprès des miens. Et là, on comprend tout de suite à qui on a affaire. Et à quel personnage on a affaire. Donc moi, là-dessus, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce coach-là à ce moment précis, parce que d'avoir son soutien à ce moment-là avec ma petite. Et ben voilà, je pouvais que le remercier. Et je sais que voilà, pas tout le monde aurait fait ça. Donc voilà. Ouais, moi, je te rejoins, tu vois, je trouve qu'au-delà de sa connaissance du foot, parce qu'il a énormément d'expérience, il a entraîné les meilleurs joueurs du monde, hein, il est passé par Paris, l'équipe de France. C'est là où l'excelle, c'est dans la gestion humaine. Il a choisi, je pense, aussi les joueurs qu'il voulait à Saint-Étienne. Et voilà, il leur fait confiance, il les connaît bien. Et il essaye de nous mettre dans la meilleure des façons possibles pour être performant sur le terrain. Et forcément, on a tous connu plein d'entraîneurs. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il est très, très fort. Ouais. Moi, ce qui me marque aussi, c'est ces causeries d'avant-match où vraiment, après, tu sors de la causerie, tu as envie d'aller sur le terrain et puis de te défoncer. C'est vrai que j'ai connu pas mal de coachs, mais là, c'est vraiment un entraîneur qui te pousse. Et à travers ces causeries d'avant-match, ou même ces... Ou à la mi-temps, des fois aussi. Ouais, quand il anticipe le résultat. C'est un voyant. Ouais, c'est ça. Ouais, l'année dernière. À chaque fois, il avait... Il l'a fait, là. Il l'a fait, là. Avec toi. Non, mais en fait... Qu'on voit pas souvent parler ensemble, tu sais. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Bah, après, j'ai eu longtemps Christophe Galtier, où on échangeait quand même pas mal. Je l'avais connu aussi en tant qu'adjoint. Donc, c'est vrai qu'on était quand même assez proches avec Christophe Galtier. Et là, voilà, bizarrement... Et puis, je ne ressens pas forcément le besoin de lui parler. Moi, je conçois le foot un peu comme lui. Et sa manière de gérer, je la conçois aussi comme ça. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'échanger avec lui. Même si c'est toujours intéressant parce que voilà, tu sens l'expérience et la connaissance du foot. Ouais. Et c'est vrai que des fois... C'est énorme. À la mi-temps, mais aussi en début de semaine, quand on fait le débrief des matchs, il y a des moments où tu rigoles pas, mais... Tu rigoles. Intérieurement, c'est vrai que le coach a certaines expressions. Des exemples? Je sais plus. J'en ai un, moi, c'est quand je joue contre Rennes, et Benatem, il prend le ballon, et il dribble. Et Ben Arfa, il prend le ballon, il vous transperce, et il fait fou. Et on se regarde comme ça, on rigole pas, parce qu'il dit pas en rigolant. Faut pas rigoler, par contre. Et nous, là, on fait...
Il y en a tant que le premier, mais il y en a un qui a rigolé. Il y a Colo qui a rigolé. Ouais. Colo, personne qui se craquait. C'est pas attrapé direct. Mais non, pour en revenir à la mi-temps, souvent il arrive à nous dire les résultats le résultat qui va arriver en fait. Quand le match va se dérouler, il dit voilà, vous allez perdre 2-1. Ou là, vous allez égaliser, gagner le match. À contre Marseille, quand on perd 1-0 à la mi-temps. Quand on perd 1-0 à la mi-temps, il dit vous allez gagner 2-1. À Lyon, c'est arrivé aussi l'année dernière à Lyon. Bah, 1-0, il a dit tant pis, on fera 1. Et contre Amiens, on a failli. Il avait dit. Amiens à la mi-temps, il dit vous allez perdre 2-1. Et on égalise à la 95e. On allait rentrer à pied aussi. Et ouais, on devait rentrer à pied aussi. Qu'est-ce qu'il vous demande concrètement à l'entraînement? Qu'est-ce que vous travaillez en particulier avec lui? Est-ce que vous avez identifié un petit peu forcément sa philosophie, ses principes de jeu? Avec lui, rien. Lui, ils ont une ligne directrice par rapport au match à l'adversaire que l'on va jouer. Et en fait, toute la semaine, on essaie de travailler le point faible de cette équipe. Donc, après, je trouve c'est lui qui manage les autres. Non, c'est juste l'entend pas. Si on l'entend, c'est pas bon signe. Ouais, c'est ce sur lequel j'allais rebondir. C'est qui intervient, c'est pas bon. Ouais, avec Gis, ils sont complémentaires et juste, je pense que voilà, ils forment une bonne triplette. Bon, parle beaucoup à l'entraînement, lui, on le voit pas. Et lui, il fait les causeries. Et mais il regarde tout le temps. Après, ouais, il toujours la regarder. Il a un œil. Après, ce qu'il aime aussi, c'est quand même d'avoir le ballon. Il veut que son équipe ait le ballon et qu'on joue. Voilà, c'est pour lui, c'est ça. Bah, surtout quand tu fous, c'est d'avoir le ballon. Mais comment vous expliquez justement qu'il fasse quand même l'unanimité dans les différents vestiaires dans lesquels il passe? C'est parce qu'il est fort, parce qu'il est bon. C'est ça. C'est, ouais, c'est humainement. Aujourd'hui, un entraîneur, c'est ça, c'est qu'il doit fédérer l'ensemble d'un effectif et c'est pas évident. Quand on est 25 ou 30, il faut gérer les égos de certains. Il y en a quelques-uns quand même. Mais, il arrive à gérer Wabi Kadri, Jean. Mais je vais pas regarder Wabi. J'ai pas d'égo, moi. Non, mais tout le monde est différent. C'est compliqué de gérer, de satisfaire tout le monde. Ouais, je trouve qu'il a un bon discours, une bonne approche. Puis il a des résultats, quoi. Et puis les résultats, puis ça aide aussi. Il est sur ses résultats, mais c'est vrai qu'il a des très bons résultats, donc il est respecté pour ça aussi. Vous pensez qu'il est un peu sous-estimé? Non, je pense qu'il reconnaît sa juste valeur. Non, je pense qu'il fait partie des top entraîneurs en Ligue 1. J'espère. Après, il a souvent été adjoint. Entraîneur adjoint, donc un peu dans l'ombre peut-être de Laurent Blanc. Mais quand Ibrahimovic te cite, c'est quoi, en référence. C'est pas n'importe qui. Qui ça? Ibrahimovic, tu connais? Mes débuts des fois. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec la vidéo aussi? Est-ce que Ghislain Printemps et le coach sont des adeptes du travail vidéo ou pas du tout? Pas trop? Si. Si quand même. Sur l'adversaire. Oui, sur l'adversaire, on a une plateforme aussi où on peut aller avoir pour les défenseurs, il y a les attaquants adverses, le gardien pour les points faibles, comment ils jouent, comment. Oui, il y a pas mal de trucs qui sont mis en place. Alors les joueurs de Ligue 1, c'est pas trop. On va se dire la vérité quand même. Paraît que ça vous saoule quand même les séances vidéo. On en a pas beaucoup. C'est surtout la veille du match. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Non, mais sinon, on s'endort. C'est un peu pesant. Combien de temps on peut avoir votre attention? La durée max d'une séance? Là, c'est bon, on y va. Moi, j'en ai connu, il y en a, ils sont endormis en vidéo. Non, mais c'est vrai que souvent, plus on fait ça le matin, ça devient compliqué. Après, au bout de 20 minutes, t'es dans le noir, ça pioche. Donc, pas tout le monde a... En plus, il y a entraînement derrière, il faut qu'on se déverrouille. Pas tout le monde a les diplômes ici pour rester concentré, du coup, c'est pas évident. Petit axe, ça, quand même. C'est pour qui? On va... Moi, j'ai un diplôme, après, je sais pas si chacun s'arrange avec lui-même. Bon, messieurs, on va pas faire de vidéo, c'est promis, mais on va faire un peu de tactique ensemble, regarder les différents systèmes mis en place cette saison. C'est la séquence tactique, jingle. Alors, on va commencer par le premier système utilisé cette saison, c'est le 5-3-2. Vous allez nous expliquer un petit peu individuellement ce que ça change pour vous, en quoi est-ce que ce système a une répercussion sur votre situation personnelle sur le terrain. Loïc, pour vous, par exemple, ce système, est-ce que c'est quelque chose que vous, dans lequel vous trouvez bien votre place? Alors, moi, quand on a évolué en 5-3-2, j'évoluais soit ici, soit dans l'axe. Le plus souvent ici, là. Après, ce que ça change. Après, un système, on en fait ce qu'on en veut. Ça peut vite se transformer en cours de match. Mais voilà, ce que ça change, c'est qu'en général, le couloir qui a été souvent de bûche est assez haut. Donc presque latéral. Voilà, c'est que de temps en temps, dans le match, je me retrouve latéral. Voilà, c'est surtout ce que ça change par rapport. Et puis là, on s'aperçoit qu'au final, voilà, les systèmes, ils changent, ils changent rapidement en cours de match. Ouais, ça, en fait. Moi, je monte. Et après, forcément, ça coulisse, donc on devient, on va dire, à 4 derrière. 4 derrière, quoi.
Et la relation que vous avez tous les deux, du coup, dans ce genre de système ? Bon, elle est importante, que ce soit à 5 ou à 4. De toute façon, quand on est à côté, la relation est importante. Il y a beaucoup de communication à avoir. Moi, ce que je trouve important, là, c'est justement quand l'équipe adverse a le ballon et que le ballon se développe côté gauche, là, c'est de bien parler à Mathieu ou à celui qui est ici pour qu'on glisse dans le bon tempo, pour que moi j'ai le temps de prendre sa place et que lui il vienne dans le temps de passe ici. Justement, ouais, c'est important. Mais pour toi, pour le coup, là, Loro, quand on est en 3-5-2, tu vas quand même sur le poste de latéral, parce que tu fais moins complet, dans l'autre système. Et c'est quoi qui change vraiment quand tu vas sur le côté là? C'est que là, les joueurs ils vont vite sur le côté. Là, c'est ça. Donc c'est compliqué. Non, mais c'est que j'ai déjà joué latéral quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même type de défense. Et qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plus à l'aise dans quel À 5 ou à 4? À 2 ou à 3 plutôt derrière? Ah ouais, à 2 ou à 3. Moi j'aime bien. Ça me dérange pas parce qu'après, j'allais dire, ça dépend un peu aussi des adversaires et de comment on utilise le ballon. J'aime bien ce système à 5. Je me retrouve des fois peut-être un peu plus haut sur le terrain, un peu plus excentré sur le terrain, mais de préférence. Ce qui est pas mal pour vous aussi, c'est que vous gardez quand même une ossature défensive assez importante. Ouais, normalement. Après, ça dépend un peu aussi des joueurs qui sont sur le couloir, parce que les joueurs peuvent être aussi très très hauts, ça peut apporter autre chose offensivement. Voilà, c'est pour ça que souvent on dit qu'à 5, c'est plutôt un système défensif. Ouais. Moi, je suis pas forcément d'accord. D'accord. Et toi, Matt, c'est quoi qui... Toi, quand tu joues dans ce système-là, tu es forcément un peu plus haut, tu vas chercher un peu plus haut. J'aime bien ça, au début. Ouais, c'est ça. On a ce qu'on disait tout à l'heure. Après, il faut beaucoup, beaucoup parler, savoir quand on peut sortir et aller chercher, pas mettre en difficulté le bloc. Donc, il faut... c'est un système qui est... Il faut maîtriser aussi. Ça te permet de te retrouver aussi plus facilement dans la surface adverse. Être dans la plus libéré, facilement, je pense, pour finir aussi... Plus devant. Ouais, plus devant et finir devant le but. C'est vrai que c'est un avantage aussi. Ouais. Et vous, Romain, dans ce système, où est-ce que vous trouvez dans ce 5-3-2, qu'est-ce que ça change justement pour vous dans votre situation? Alors moi, par contre, c'est sûr que ça change complètement, parce que quand on évolue dans ce système-là, je vais me retrouver soit à droite, soit à gauche. Et alors que dans ce système-là, souvent, je me retrouve... Pardon. Et donc, je me retrouve devant, donc ça n'a rien à voir. Là, je suis un joueur de couloir. Voilà, mon but, c'est d'aller... mon but, c'est d'essayer d'aller déborder sur le côté, d'apporter du danger. Après, je me retrouve aussi pas mal intérieur entre les lignes. Ce sont les consignes de Jean-Louis Gasset? Oui, c'est à peu près les consignes. Et puis, c'est ma façon de jouer aussi. Tu préfères quoi, toi? Alors, c'est compliqué parce que dans ce système-là, j'ai une part défensive qui est super importante. Souvent, je joue avec Matt de Buchy, qui est ici présent. Et il aime bien me rappeler. Il aime bien me dire, Romain, viens défendre. Donc, c'est vrai que je me retrouve assez en train de défendre avec Matt. Donc votre relation tous les deux côté droit, comment ça se passe? Alors, comment se passe la communication et la relation entre vous deux sur le terrain? On est par doublette. Donc, c'est vrai qu'avant le match, on se parle beaucoup et puis on s'encourage. Donc, après, moi, j'aime bien aussi, c'est vrai que j'ai la particularité, c'est que j'aime bien aussi monter et apporter offensivement. Donc, forcément, celui qui joue de mon côté, à ce moment-là, doit rentrer et un jeu différent. Après, si en cours de match, Romain préfère être sur le côté et justement aller percuter, il est libre. Après, ça, on en discute sur le terrain. Moi, je pense, après, Rome, il a bien joué aussi, t'aimes bien jouer à l'intérieur, donc je pense que ça correspond bien de jouer tous les deux, parce que de Buchy... Ça lui permet de... En fait, quand on se retrouve ici, souvent, j'aime bien rentrer à l'intérieur, parce que déjà, ça permet à eux de ne pas s'adapter à me voir tout le temps ici ou tout le temps ici, de changer, lui, c'est plus trop. Et quand Matt, il monte là... au final, on voit que ce défenseur, il va être embêté, quoi. Ah, mais il vous fait beaucoup défendre, alors, du coup, vraiment. Putain, mais c'est pas possible. Le choix. Dans ce système-là, je fais beaucoup d'efforts. Et après, quand je me retrouve dans l'autre système, là, j'ai beaucoup moins d'efforts défensifs à faire. C'est juste du replacement et du coulissage. Donc, mais en off, vous nous avez dit que vous préfériez jouer avec Wabi. J'aime bien jouer avec Wabi. Non, mais c'est un très bon attaquant. Donc, c'est facile. Il sent le football. C'est facile de jouer avec lui. Mais. Surtout pas lui dire ça. Mais dans les deux, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps varier ces systèmes. Ça ne me dérange pas de jouer dans l'un ou l'autre. Alors, Wabi, justement, expliquez-nous. Allez-vous mettre à côté du paperboard. Expliquez-nous, justement, vous, par rapport aux différents systèmes. Parce que ça change que vous soyez seul en pointe ou que vous soyez plutôt milieu, offensif. Qu'est-ce que vous préférez, déjà?
Non, moi franchement, c'est vrai que voilà, depuis l'an dernier, j'affectionne de jouer au poste d'attaquant et de marquer des buts. C'est vrai que des fois, enfin, sur le terrain, après, je ne le montre pas trop et je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, mais au fond de moi, voilà, j'ai cette envie de marquer des buts et forcément, quand tu prends goût, bah, D'être décisif. D'être décisif, c'est agréable. Après, c'est vrai que j'ai souvent évolué soit milieu gauche ou soit en soutien de l'attaquant. Mais c'est vrai que depuis l'an dernier où je joue attaquant, bah je kiffe ce poste-là. Et puis on n'a plus à redescendre trop aussi. Pardon ? On n'a plus à redescendre trop aussi. Ouais, bah forcément, on fait moins d'efforts. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que... Ah, Wabi défend Wabi. C'est vrai, il fait... Non, mais c'est le premier défenseur. Et c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que je fais souvent des pressings et tout. Mais c'est vrai que bah forcément, quand des fois on me met en lumière parce que j'ai marqué un but... On oublie des fois le travail des autres, mais c'est vrai que des fois, bah, ils me voient peut-être un peu jouer à la carotte parce que j'ai fait un effort et ils me disent rien et ça me permet à moi de garder du jus pour souvent être décisif et c'est ce qu'on me demande, c'est d'être bon là, dans le rectangle à la fin. Là. Ouais, et puis, moi je me rappelle pouvoir jouer contre toi, en étant défenseur central, il faut toujours faire attention parce que tu es toujours à l'affût de récupérer un ballon, tu arrives très vite sur les défenseurs et c'est vrai que c'est important de déclencher ses premiers pressings. Parce que le défenseur, au final, bah, il joue pas comme il veut après. Quoi. Et tu en récupères toujours quelques-uns ouais, comme ça. C'est vrai que c'est bien des fois aller presser, aller chasser, aller déclencher un peu des pressings et mettre un peu des fois le public, c'est important. Le public avec nous. Après, je ne sais pas si ça marche, mais ça m'est arrivé une fois où ça m'a réussi au parc. Contre. Ouais, et puis même si c'est pas toi qui la récupère. Généralement, j'ai plus son nom. Les gardiens. Vous m'aidez pas du tout par non, mais je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle le gardien. Trappe. Ouais, et du coup, je me récupère le ballon, le pauvre, et je marque. Du coup, ça a marché une fois. Quoi. Vous êtes impressionnés, messieurs, par la saison, justement, de Wabi, de ce qu'il réalise, de ses stats, notamment. Bah, il est venu pour ça. L'année dernière, tu avais eu des bonnes stats. Le fait que tu sois très à l'aise dans ce rôle d'avant-centre qui n'était pas le vôtre à la base, cette reconversion un petit peu à pouvoir jouer devant, à marquer, à faire marquer aussi également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... On a beaucoup douté en début de saison, on a parlé de la relation avec Rémi Cabella notamment, il y a eu beaucoup de... Et finalement, vous faites une belle saison, Il n'a pas trop douté, hein, premier match, il marque. Lui, non. Non, mais franchement, je ne vais pas faire le mec humble, mais c'est sincère, c'est vrai que là... Ce qui a tout déclenché, c'est l'accueil que j'ai reçu et les conditions dans lesquelles j'ai été mise pour pouvoir être performant. Et comme je l'ai dit, bah, tu viens dans un club où le coach te veut à 100%. Tu as un joueur, entre guillemets, phare de l'équipe que tu connais très, très bien. Et puis vous, voilà, on se connaissait d'avoir joué contre. Ouais, et dès le premier stage au Touquet, où forcément on a partagé des bonnes choses, karaoké. Et ça m'a des karaokés, des choses où je suis pas trop mal et ça m'a permis forcément d'être dans le du vélo un peu vélo aussi dans le bain et bah de forcément essayer de faire une belle saison pour aider l'équipe. Après j'ai des défauts, j'en suis conscient, mais j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Mais franchement, c'est vrai que sans vous, bah je sais pas faire le mec même, mais c'est vraiment la vérité, c'est que voilà, sans eux, bah je suis rien, quoi. C'est beau, bravo. On revient sur les défauts, Bobby. Puisque vous dites que vous avez des défauts. Il prend pas beaucoup de cartons. Il parle pas du tout. Il parle pas. Ça fait un match, j'en ai pas pris. J'ai commencé une série. Le début d'une série. Ouais, franchement, ouais. Comment ça se passe cette relation justement avec les arbitres? Bon, ça date pas de Saint-Etienne, hein. Ça date d'il y a un peu plus longtemps. Depuis que je joue au foot. Pourquoi vous avez ce rapport-là? Pourquoi En fait, j'aime pas l'injustice. Et des fois, j'ai le sentiment qu'il y ait une injustice et forcément, j'arrive pas à me contenir. Des fois, même à travers ma télé, quand je regarde des scènes d'arbitrage qui me choquent, après, ça, je sais pas si c'est normal, mais voilà, c'est des fois, je vois des attitudes un peu arrogantes. Moi, j'aime pas ça. Après, c'est à moi de faire avec et de grandir. Et puis, j'ai la chance d'avoir des mecs d'expérience qui ont plus de matchs que moi. Qui vous canalisent. Qui eux se canalisent, donc forcément, c'est à moi de prendre exemple sur eux. Après plus résoudre le problème. Ça peut pénaliser l'équipe à prendre forcément beaucoup de cartons et manquer des matchs, quoi. Donc c'est vrai que... Non, mais j'en suis conscient, en plus, c'est ça le pire. Mais vous lui dites ça un petit peu? Est-ce que vous avez ce genre de discussion, justement, dans le vestiaire?
Ouais, non, mais il le sait. Il le sait, sait ouais. Très bien, tout le monde lui dit. Après, c'est. Voilà, c'est un, ah, puis sur le moment, c'est dur. C'est un compétiteur, il aime le foot. Et, mais les cartons, en plus, qu'il prend, ces cartons, c'est pas une faute. C'est parce qu'il parle avec l'arbitre. Il a besoin de montrer qu'il n'est pas content. Et puis après. De s'expliquer. Voilà, de s'expliquer. Et puis, les arbitres sont. Voilà, ça dégaine. Hein, donc, c'est vrai que maintenant, ouais, tu peux plus trop parler avec l'arbitre. En fait, tu peux plus trop échanger. Donc, avec l'arbitrage, faut faire attention. Hein. Ça a évolué, voilà, ça a évolué, et c'est vrai que c'est toujours de plus en plus compliqué de parler. Et donc voilà, il se fait punir assez rapidement. Loïc, en tant que capitaine, il y a des mots aussi. Y a des choses, moi, j'étais en train de lire le truc là-bas derrière. Alors justement, c'est désolé Wabi, c'est un peu votre moment là. Oh, franchement, un grand plaisir. C'est un peu votre fête. On a demandé aux twittos sur RMC Sport de vous poser quelques questions. On en a une. Pour vous, Wabi, on va le découvrir ensemble, ce tweet de Jules qui vous taquine un petit peu. Est-ce que Kazri pourrait nous faire un cours sur les plongeons, la simulation et le pleurnichage à l'arbitre? Bon, apparemment, il vous en veut un peu, hein, Jules, supporter d'Amiens. Il me semble que c'est l'un des maîtres en Ligue 1. Bon, on en a deux, des maîtres, là. Non, mais c'était avant la barre. Je ne faisais pas tout qui a la barre, c'est mort. Je ne vais plus, moi. Non, après... Ouais, oui et non. Après, oui non, et ça non, fait mais... partie du foot de jouer un peu avec. Ouais, c'est sortir un peu du contexte. Voilà, j'ai un joueur des fois où j'aime bien le regarder, c'est Luis Suarez qui est entre guillemets un chien sur le terrain et qui des fois joue un peu la comédie. Et le foot c'est un spectacle et les gens viennent au match pour voir des choses qui sortent de l'ordinaire entre guillemets et prendre du plaisir. Après voilà, je suis pas qu'un maître. En Ligue 1, à ce niveau-là. Ouais. Il a regardé, il a vu les buts ou pas, hein? C'est fini. Je crois que Jules, il a vu les buts. Non, Jules, il l'a pas vu. Jules, il a pas la télé, du coup. Bon, remercie quand même Jules, hein, pour son petit tweet. Dernièrement, messieurs, quelque chose d'un peu plus positif. Il y avait ces compliments du Rennais Atem Ben Arfa qui disait, franchement, quand je regarde les matchs de Ligue 1, la seule équipe qui propose quelque chose, qui essaie de créer une identité dans le jeu, c'est Saint-Etienne. Il y a cette intention de jouer, de prendre son temps et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette déclaration d'Atem Ben Arfa? Est-ce que ça vous a fait plaisir, bien sûr? Ah bah ouais, c'est sympa. Ouais, forcément que c'est sympa. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le coach aussi, c'est un peu sa façon de voir les choses, c'est d'essayer d'avoir le ballon. Alors forcément, on n'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment un objectif. Voilà, s'il s'en est rendu compte, Atem, tant mieux. Hein. Tant mieux. Et moi, venir là. Je tiens à rebondir sur un truc, c'est que c'est vrai que des fois, je rate souvent les médias, des fois. Et les gens, donc, quand ils nous regardent jouer, ils disent que ouais, ça ne joue pas très bien en Ligue 1 et tout. Mais je pense que des fois, certaines personnes qui travaillent dans les médias n'ont pas vu certains matchs de Première Ligue ouais, où ils regardent un Chelsea-Brighton, où au début, je peux en commenter. Quoi. Et moi, j'ai vu des fois des Chelsea, bon, l'une des meilleures équipes en Première Ligue contre Brighton. Franchement, je pense que certaines personnes, au bout de 10 minutes, ils changent de scène et ils mettent la petite dans la prairie. Donc, non, mais c'est vrai. Je trouve que les gens critiquent la Ligue 1 assez facilement, mais il n'y a pas des Barça Real ou des Manchester Chelsea tous les week-ends. Et quand tu te tapes un Southampton Brighton, avec tout le respect que j'ai pour ces deux clubs, ce n'est pas forcément du toqué-toqué. Donc, non, mais c'est vrai, du coup, voilà, c'est une petite aparté, mais. J'avais envie de le dire. Voilà, c'est sorti, c'est fait. Voilà. Maintenant, il faut regarder la Première Ligue sur RMC Sport Wabi quand même. Ah, merde, c'est pour ça que j'ai pris ces championnats. C'est intéressant. C'est quoi il parle? C'est intéressant ce que disait. Après, vous vous demandez pourquoi on vous fait perdre les quiz aussi. Voilà. Ouais. Loïc, c'est intéressant ce que vous disiez, que bien sûr, si Atem Ben Arfa veut venir, la porte est ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Mathieu, ça vous a pas échappé, Romain, Wabi. Ouais. Ça vous plairait de vous de l'avoir dans l'équipe, Atem Ben Arfa? C'est bien sûr, c'est un joueur de talent, ouais. C'est un joueur qui fait la différence dans les matchs. Donc c'est toujours un joueur qui sera le bienvenu à Saint-Etienne. Après, moi j'ai eu la chance de jouer avec à Newcastle et c'est vrai qu'à tout moment il peut te faire gagner un match. Donc c'est des joueurs qui sont importants. Vous pensez que c'est le joueur le plus talentueux contre qui vous avez joué? Non, il y en a eu. Il y en a eu, mais lui, talent pur, il a vraiment... Ouais. Neymar, c'est quelque chose. Ouais, non, bien sûr. Mais moi, je le mets dans... Techniquement, enfin, talent pur, je le mets vers avec eux un peu. Parce ouais, que non, là, mais c'est un génie. Puis là où on se rend compte que c'est un génie, c'est qu'il n'a pas joué pendant un an. Il n'a rien fait pendant un an. Non, mais à Nice, la saison... Et il est arrivé à Rennes, au final, il a fait quelques entraînements. Il a fallu qu'il retrouve un peu le rythme, mais je trouve qu'il s'est rapidement remis au niveau. Quoi. C'est vrai qu'il a un talent qui... Ouais, il fait partie des joueurs qui peuvent éliminer 2-3 joueurs. Mais en plus, le pire, c'est que tu le sais. Ouais. C'est ça
qui est marrant quand même, parce que bon, tu le sais avant le match que c'est un dribbleur et tout. Et garde Angers, il a dribblé 6 joueurs. Ouais, mais là, mais c'est puissance aussi. C'est ça. Mais sais, même avec Nice ici, non? Non, avec Nice ici, mais ouais. il a dribblé le Kine. Ouais, il a mis. Ah oui, c'est avec Nice où on perd 4-1, je crois. Et il a dribblé 5 joueurs, je crois, avant de nous marquer un but. Donc, non, mais ouais, quand il est dans un bon soir. Il... Ouais, ça fait partie des joueurs du talent, c'est un génie. Après, il y en a d'autres qui ont du talent, attention. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué avec. C'est vrai que. Tu le regardes à l'entraînement et en match, c'est totalement différent parce que à l'entraînement, je pense qu'il fait le minimum. Ouais. Mais le week-end en match, comme je l'ai dit, il peut te faire la différence et te faire gagner le match. Donc, je pense qu'on aimerait bien tout jouer à un moment donné avec des joueurs comme ça qui te font gagner des points. Et qui c'est le joueur qui vous a le plus impressionné, vous, avec qui vous avez joué? Moi, je dirais Neymar, moi. Mbappé, non? Moi, Neymar. Neymar? Moi, Neymar, je le classe en haut. Parce que, après, j'ai pas joué contre Messi et Cristiano comme Colo. Mais c'est vrai que là, Neymar, il est extraordinaire. Mbappé? Ouais, il est fort aussi. Moi, j'ai joué avec Eden Hazard. Oui. Et j'ai joué contre lui aussi quand j'étais à Newcastle, lui à Chelsea. Donc, c'est plus sympa de jouer avec, non? C'est mieux de jouer avec et de s'entraîner avec que contre lui, ouais. Parce que c'est un peu la même chose. Il a tout, quoi. C'est un joueur qui a un talent immense. À l'heure actuelle, messieurs, votre regard sur la Ligue 1, les joueurs que vous appréciez, qui vous ont impressionné peut-être cette saison? Cette saison? Oui, s'il y en a un vraiment qui vous a. Moi, je sortirais du cadre, ouais. Moi, je sortirais du cadre Paris, je mets de Pépé, je pense. Parce que franchement, il survole, il est en. Il est en récit total, il a un talent fou, il est humble et il est simple. Et puis il était décisif, il a fait une saison. C'est bien ce qui lui arrive parce que voilà, quand c'est extraordinaire. Ouais. Un but à l'aller à Pierre-Mauroy au mois d'octobre et unique buteur ici il y a un mois lors du choc face à Nicolas Pépé. Il y en a un autre, vous commenciez à en parler, Mathieu. Buteur ici il y a 2 mois et demi, c'est Kylian Mbappé, justement. Lui, cette saison, non, il ne vous a pas particulièrement. Oui, mais il est impressionnant. Si, mais on le savait. Enfin, si, ouais, on mais s'y on le sait un peu plus. C'est écrit que c'est un génie. Depuis Monaco. Ouais, alors que Pépé, tu sais que c'est un bon joueur, mais là, la saison, elle est. Ouais, il a éclaté cette saison. Puis, il est régulier, tu vois, tous les matchs. Il est performant. Non, ouais, c'est impressionnant. Très bon joueur. Et vous, Loïc, il y a un joueur qui vous a impressionné? Moi, j'allais dire, je pensais à Pépé aussi. Je pensais à Pépé, après, au-delà de. Forcément, des joueurs parisiens qui sont à un niveau, pour moi. Enfin, on ne fait pas le même métier, j'ai l'impression, mais que ce soit toute l'équipe. En même temps, c'est les plus grands joueurs du monde. Hein. Mais je trouve que Pépé, cette année, il n'est pas tout seul à Lille, hein, forcément, qu'il y a une équipe à côté qui travaille avec lui, mais ça a été le joueur de Lille, je pense, qui a débloqué pas mal de matchs. Et Capé, quand tu comptes Mbappé, tu as un truc particulier où tu te dis... Tu prends du recul. Tu prends le maximum. 50-60. Non, mais il va tellement. Mbappé, il est tellement surprenant, il va tellement vite si tu peux pas être au contact tout de suite sur lui, t'essayes d'anticiper un peu la profondeur. Mais voilà, l'image du match un peu contre Paris ici, où finalement, je pense qu'on l'avait pas énormément vu et il met un but extraordinaire. Il met un but magnifique. Il bloque le match, c'est le génie. Un coup de génie. Et qui fait la différence. Donc ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, des joueurs qui. Mais c'est ça, les grands joueurs, qui te font gagner un match. C'est ça. Sur un coup, ils te font basculer le match, même s'ils sont dans un soir où ils sont un peu moins bien. Sur un coup, ils te font gagner le match. Alors, puisqu'on parle de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, on va écouter, messieurs, votre coach Jean-Louis Gasset après cette défaite 1-0 face au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Et pour lui, le constat est imparable. Ils sont vraiment trop au-dessus, les Parisiens, cette saison pour la Ligue. Hein, regardez. C'est impossible de regretter quelque chose. On est obligé, dans des matchs comme ça, contre des équipes qui ont la maîtrise et qui vous étouffent, à des moments, de perdre des ballons. C'est le jeu demande faute. Non, il n'y a aucun reproche. Ils sont vraiment imprenables, ces Parisiens-là, cette saison. Est-ce qu'il y a vraiment des moments dans le match où on se dit que, de toute façon, c'est pas la peine de se battre, mais que c'est quand même très compliqué. Bon, non, surtout pas le match retour, où je pense qu'on a fait le match qu'il fallait contre cette équipe-là.
Après, ils sont tellement au-dessus sur l'année. Oui, sur l'année, c'est impossible. Mais ils feront toujours un ou deux faux pas dans l'année. Voilà, il faut être là au bon moment, c'est tout. Après, moi, j'aime bien comparer une queue de Formule 1. C'est que avec les moyens qu'ils ont et tout, forcément, c'est normal qu'ils survolent la Ligue 1, entre guillemets. Ils ont un budget qui fait tout le reste. Ils ont la chance d'avoir des superstars et des joueurs phénoménaux dans leur équipe. Et c'est comme en Formule 1, c'est souvent voilà, les bons moteurs qui gagnent les... Non, mais bien sûr, ils sont programmés pour gagner la Ligue 1. La Ligue des Champions, quand ils se font fait éliminer. Tu t'y attendais, franchement? Contre Manchester, chez eux? Non, mais en plus, c'est un match. Enfin, moi, j'ai vu le match. C'est... Enfin, Manchester, il le rejoue 100 fois. Ils se qualifient jamais. Enfin, voilà, Manchester avait pas mal de blessés. Hein. Tout le monde les a critiqués, Paris, mais quand tu revois le match, c'est improbable que Manchester y gagne. Puis la main. Puis la main, ouais, c'est... Enfin, main, pour moi, c'est horrible de s'y faire une main comme ça. Mais... on avait pas mal, nous. Non, mais la balle, elle part en tribune, les gars. Enfin, ouais, mais... Ouais. Ouais. C'est incroyable, quand même. Non, mais après, ils ont aussi cet aspect technique où ils arrivent à ressortir des ballons, où ils gardent des ballons. Toi, tu cours comme un chien. Mmh. Eux, t'as l'impression qu'ils jouent tranquille. Et donc, physiquement, on est plus fatigué que... Ouais, on s'épuise. Ouais. On s'épuise. Donc, ouais, puis t'essayes de sortir une fois, deux fois pour aller faire un petit pressing et au final, tu te rends compte que quoi que tu fasses... Je te remarque bien, eux, ils ont 11 joueurs qui sont à peu près complets dans tous les domaines. Et toi, des fois, par exemple, t'as des défenseurs où il y en a, ils sont moins techniques, mais ils vont être... Ouais, tu compenses ailleurs, voilà, bien sûr. Ils vont être chiants sur l'homme. Et eux, en fait, les 11, ils sont capables d'être chiants sur l'homme, d'être techniques, d'être bon tactiquement. Et forcément, le football, il est plus facile. Mais s'il y avait un défenseur qui t'a impressionné? Ah, en Ligue 1, c'est Thiago Silva. Mmh. Franchement, Thiago Silva, il est exceptionnel parce qu'il il est complet. Ouais, il est technique avec le ballon. Ah, il est complet. Sans le ballon, il envoie. Ah, puis il coupe tout. Ouais. Tu sais, tu crois que t'es tout seul et tout, mais il est toujours derrière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le plus chambreur en Ligue 1, messieurs, est-ce qu'il est au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il est ailleurs? Sur le terrain ou... Ouais, sur le terrain. Est-ce que vous avez des souvenirs pendant un match? Des exemples? Bah, Neymar, je sais pas, Marco Verratti, non? Neymar? Ouais, Neymar, il aime bien chambrer. Neymar, il chambre, mais techniquement, en fait. Moi, je non, mais c'est vrai. Quand il fait le truc au-dessus de la tête... Si moi, je savais le faire, j'essaierais de le faire aussi. Moi, j'allais dire caserie. Il faut savoir le faire. Ouais, mais mine de rien, quand tu le prends, tu... Non, mais moi, je regarde le match pour voir ce genre de geste-là. Ah non, mais j'ai pas dit, coup, mais après... c'est une forme de chambre. Ouais, ouais. Est-ce qu'il fait pour chambrer ou c'est juste pour lui? Je pense qu'il se fait. Parce qu'il en a besoin. Non, il se fait un plaisir personnel. Là, pour le coup, quand il l'a fait contre où il se blesse, je pense que c'est pour le chambrer parce qu'il l'a fait faux juste avant. Mais chez vous, il y en a un qui en a pris un, ce geste comme ça? Moi, j'ai pris un petit pont. Ah bon? Ouais. Comment vous l'avez vécu? Sur le coup, ça fait mal. Non, il était pas mal. Qui m'en parle. Pense-moi au cœur. Et c'est Neymar. Ouais, tu dis que c'est Neymar. C'est Neymar, c'est pas Debuchy. pour le coup, en plus, c'est assez marrant ce pas match. Pas beau ce que tu dis. Je plaisante. Mais on joue avec Oscar Garcia et donc on joue contre Paris, c'est un bloc bas, c'est compliqué, on court beaucoup. Et en fait, à chaque fois, donc Neymar était côté gauche, sur mon côté droit. Et je me rappelle, il y avait Yanko à l'époque, c'était Saïdi qui jouait. Et il ne sortait pas dessus, en fait. Donc, en fait, c'était moi qui devais y aller à chaque fois. Mais à chaque fois, j'y allais. À un moment donné, il arrête le ballon sur le côté. Et en fait, ma hantise, c'était de prendre le truc au-dessus, là. Et donc, j'attends et tout. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne suis pas bien. Et en fait, à un moment, je pars, il me fait une feinte, je reviens. Et là, il me met le petit pont. Et en fait, je sais, et je pense qu'on le voit à la télé, et je souris, parce que je me suis... Tu le savais, en fait. Mais en fait, je me dis, je m'attends à un truc, mais en fait, je le prends quand même. Donc, en fait, je souris. En plus, il fait centre aveugle derrière. Enfin, bref. Donc, au final, écoutez, mon fils m'en parle encore. Mais c'était drôle. C'est pas grave, c'est Neymar. Ça passe. On parle de comportement. Kylian Mbappé, par exemple, sur le terrain, il est comment en... avec vous, est-ce qu'il parle à vos adversaires? Est-ce qu'il chambre? Est-ce qu'il est plutôt discret? Ben moi, du coup, pour l'avoir eu en contre-un, dans ma zone, non, pas du tout. Non, non. Enfin, moi, j'ai... Il est calme. Il est plutôt calme. On n'a pas eu de... Moi, j'ai jamais entendu chambrer. Ouais, pas de tension particulière. Contre nous, en tout cas. Après, je sais pas les autres, mais... Ben alors, il y en a quelques-uns qui ont chambré parfois pendant des derbies. Messieurs, forcément, on ne peut pas parler... ici, à Saint-Etienne, sans parler du grand rival lyonnais. Loïc, je vais commencer par vous, enfant du club. Des souvenirs de derby, peut-être même en jeune, puisque cette rivalité commence très très tôt. Ça se transmet aussi, c'est quelque chose que,
qu'on vous a transmis, vous avez des souvenirs de derby en U15, en U16, en catégorie de jeunes? Bah, depuis moins de 13, hein, depuis que je suis au club, hein, je suis arrivé à 12 ans, j'ai fait des derbys chaque année. Et forcément, c'est toujours le match à cocher sur son calendrier en début de saison. Ouais, j'ai des petites anecdotes. Tout à l'heure, on parlait du coach qui prédisait un peu les résultats. Bah, là, j'ai eu un entraîneur aussi un jour en moins de 13. Il nous a dit on va gagner 2-1, le gardien va faire une erreur. Et c'est ce qui s'était passé. Alors, voilà, je m'en souviens parce que c'était quand même plutôt improbable. Et après, en pro, pendant des années, on n'a pas gagné, on a eu du mal. En même temps, Lyon était tellement supérieur. Quand j'ai attaqué, moi, des années 2004 à 2010, ils survolaient tellement le championnat de France que c'était compliqué, même s'il y a eu des matchs où on n'est pas passé loin de l'exploit. Et après, on s'est mis à gagner un peu des derbies et voilà, c'était un peu plus serré. Et ton derby qui te reste en tête ou un fait marquant? Il y en a deux. Alors il y a celui à Gerland où c'est le premier qu'on regagne. Enfin, c'est le premier que moi je gagne en professionnel. C'était le centième avec un but de Dimitri Payet sur coup franc. Mais en plus, c'est un match qu'on ne doit jamais gagner. On a une chance, mais incroyable. Alors, toute la malchance qu'on avait eue peut-être sur certains derbys où on se faisait rejoindre au dernier moment, ça arrivait quand même quelques fois. Ben là, on a eu. Enfin, voilà, c'est inversé sur un match où il y a eu des poteaux, des barres, des sauvetages sur la ligne, mais vraiment, vraiment incroyable. Donc, ça, c'était un bon souvenir. Mais après, le meilleur, je pense que c'était quand même le match où on gagne 3-0 ici. Domicile, c'est mieux. C'était, voilà, parce que, ouais. C'est parce que c'était à domicile, parce que c'était le premier qu'on regagnait à Geoffroy Guichard. Et là, je te laisse imaginer l'ambiance voilà, quand tu gagnes un derby à Geoffroy Guichard avec l'attente de tous les supporters. Ça faisait, je ne sais plus 25 ans, je crois, qu'on n'avait pas gagné un derby. D'accord. À domicile. Enfin, peut-être même plus, je ne sais plus exactement. Alors, on va écouter le président du rival, justement, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui n'est, vous le savez, bien sûr, jamais avare de petites phrases lorsqu'il s'agit de parler de vous. On regarde un petit best-of des... Faites pas cette tête, Loïc. On regarde un best-of des punchlines de Jean-Michel Aulas. Ce qu'il faut regarder, c'est si en fin de saison, on est dans les objectifs, et je peux vous assurer qu'on sera dans les objectifs. On sera comme tous les ans devant Saint-Etienne. Depuis effectivement presque deux décennies, l'Olympique lyonnais survole ce derby. C'est vrai que depuis 87, au moment où je suis arrivé à l'Olympique lyonnais, on en a beaucoup moins perdu et même gagné beaucoup plus qu'on en a perdu. Bon, je ne voudrais pas être à la place de mon collègue Roland Remeyer qui va sûrement recevoir une lettre recommandée de la part de son gardien de but demain matin, parce que c'est vrai qu'il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari que bon, quelquefois c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon avec une frappe de Michel Bastos tout à fait exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'on ne construit pas un avenir et un futur en regardant uniquement le palmarès. Quand on a été bon il y a 30 ans, on a été bon il y a 30 ans. L'important, c'est d'être bon en ce moment. Et... Pendant 17 ans, on a battu les Stéphanois. On a perdu ce soir, mais il ne faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League. Moi, je ne joue pas à la PlayStation, même. Non, mais après, mais j'allais dire, heureusement qu'ils ont d'autres ambitions que nous, Lyon, en début de saison. Je veux dire, ils ont pas du tout le même budget que. Eux, ils sont programmés pour jouer la Ligue des Champions, c'est pas ce nous. Ce que Saint-Etienne a connu. Heureusement qu'ils sont. Ce que Saint-Etienne a connu avec Lyon, Lyon le connaît avec Paris. Ouais. C'est ouais. Que. Il ne peut pas se comparer à Paris, donc c'est compliqué. Non, mais après, voilà, l'écart est moins. Michel Aulas, il est, proche, il est connu pour ça aussi. C'est quelqu'un de. Qui est quand même piquant, qui a une mais communication, qui est. Il vous utilise, non aussi. Il se sert un peu de vous pour motiver ses troupes, Jean-Michel. Oui, non, voilà, c'est bien joué, après, c'est le jeu. On le connaît, il est bon dans ce domaine. Donc voilà, après, ça lance les derbies. Voilà, après, ça fait partie du personnage. Donc voilà. Mais... Puis en regardant ces images, tu as envie de passer à l'année prochaine au prochain derby. Ça. Vous avez marqué, vous, dans un derby, Mathieu. Vous découvrez ça cette saison avec Wabi, cette rivalité entre. L'Olympique Lyonnais, la Saint-Etienne. Ouais, bah après, j'en ai regardé des derbies à la télé et c'est vrai que tu sentais cette atmosphère assez chaude déjà. Mais ouais, on s'en est rendu compte quand on est arrivé. On a l'attente des supporters qui est énorme. C'est, je pense, le plus grand derby en France. Et c'est toujours agréable de jouer des matchs comme ça et la motivation, elle est encore plus forte, c'est sûr. Messieurs, pour terminer, je vais vous demander un petit peu ce que vous pensez les uns des autres, tous les quatre. Si vous aviez
des conseils ou même voilà, des petits mots peut-être que vous ne vous êtes jamais dit les uns sur les autres, si vous deviez améliorer par exemple quelque chose, quel regard vous portez Bah, Wabi, c'est qu'il parle un peu moins sur le terrain, qu'il prenne un peu moins de carton. Même dans les vestiaires, hein, des fois, il est fatigant. Qu'il continue sa playlist musicale, c'est très bien. C'est très, très bien. Ouais, comment tu fais du matin jusqu'au soir pour. On dirait après, je sais pas, mais. Ouais, c'est... Il était pas là, c'était quand que t'étais pas là, où tu t'allais te faire soigner ouais, ou... il a dit... Bah, ça s'est senti qu'il était pas là. Quand, ouais, bah, on était content que tu reviennes. Mais... Alors, ça, quand il est revenu, on l'a entendu par contre. Vous avez pas dit ce qu'il écoutait d'ailleurs. Non, ça va, c'est variété. C'est très bien. Il a dit. Pas mal. Non, pas mal. J'ai du goût. Il a du goût, ouais. Bon, Wabi, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos coéquipiers qui sont là? Non, bah, moi, c'est toujours du positif. Après, c'est vrai que des fois, j'aime bien chambrer, mais de continuer comme ça, être vous-même et qu'on atteigne nos objectifs, ça serait bien. Mais nous, ça ne va pas durer longtemps encore. Hein, faut... Ouais, ça, c'est là. Justement, tu comptes encore combien de temps? Non, mais après, on aimerait toujours jouer le plus longtemps possible, mais... Après, des fois, le corps, il ne veut plus. Donc, on verra. Moi, j'ai envie de prendre du plaisir. En plus, bon, du coup, ça fait quoi, la 16e année. Je pense que cette année, c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle j'ai joué. Je pense au niveau de la qualité des joueurs et aussi de l'expérience. On a beaucoup de joueurs qui sont en pleine force de l'âge. Et donc, forcément, que je prends du plaisir. Avec le coach aussi, je prends du plaisir. Donc forcément, on a envie de continuer le plus longtemps possible, mais des fois, on ne décide pas de tout. Il y a le corps qui décide un peu pour nous aussi. Ouais. Non, après, deux bûches, moi. Dis-moi. Voilà, j'aime bien son professionnalisme. Il est toujours en salle, il travaille beaucoup. Non, mais fais attention à ce qu'il mange. C'est qui le plus pro, là, parmi vous quatre? C'est deux bûches. Deux bûches, c'est l'exemple. C'est normal, c'est avec l'âge, on a besoin de faire attention. Ça, c'est sûr. Un peu plus non, il fait vraiment attention à tout ce qu'il fait. C'est assez particulier de voir un joueur... Voilà, quand tu commences à avoir un certain âge, tu te dis bah voilà, peut-être que le mec se laisse un petit peu vivre ou voilà, il profite un petit peu plus. Lui, non, voilà. D'ailleurs, je le chambre souvent sur les salades qu'il mange. Ou, ah, aujourd'hui, va se faire une petite collation avec des radis. Ça chambre beaucoup. Ouais. Chambre un petit peu, mais voilà, non, son professionnalisme. Pourtant, t'aimes pas trop chambrer, toi. Non, je suis assez calme comme mec. Non, mais voilà, après, voilà, c'est similaire à Capi. Voilà, c'est des anciens qui restent dans leur. Dans le travail, ils sont les premiers en salle, tout ça. Donc voilà, c'est du professionnalisme. Et moi, je suis respectueux de tout ça. Et puis après, Wabman, voilà, qui continue à nous mettre des buts, qui nous emmène là où on veut aller en fin de saison. Voilà, c'est un très bon joueur. Et voilà, j'espère qu'il va nous emmener là où on veut aller. Et vous, Mathieu? Et Rome, du coup? Bon, rien à dire, les gars. Moi. Bah, ouais, non, tu vas finir à Saint-Etienne, du coup? Ouais, je fais partie, les gars. Ouais, un peu, tu penses comme... Comme Capi à finir à Saint-Étienne ou tu as d'autres objectifs pour la suite? C'est dur d'anticiper. Moi, il me reste 2 ans de contrat ici à Saint-Étienne. Je me sens super bien. J'ai toujours dit que, à la base, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais signé 4 ans. T'as, il l'a acheté à Saint-Étienne? C'est vrai que j'ai acheté à Saint-Étienne. Ouais, je pensais que quand même. J'avais demandé s'il faisait beau. Il m'a dit oui. Mais en fait, construit la piscine et tout. Mais... En fait, non, il n'y a pas de soleil, les gars. Ah non, j'ai pas le droit. Non, mais c'est une belle région. Une belle région, comme il dit. Non, mais pour le coup, non, mais moi, je me sens super bien ici. Le but, c'est d'essayer d'apporter le maximum à l'équipe. Et voilà, je me sens vraiment bien dans ce groupe. Dans la ville est bien, mon fils est bien. Loïc, c'est bien. Un promoteur immobilier. C'est lui qui a appelé le maire. Même moi, j'ai envie d'acheter ici. C'est Stéphane Plaza, le gars. Oh, c'est énorme, le mec. Il a une entreprise, en fait, je crois. Non, mais je vends ma ville. Mais tu as raison, c'est beau. Tu as raison. Non, non. Voilà. Bon, messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite de terminer en Ligue des Champions, de terminer devant Lyon, déjà. Ce serait bien. On vous souhaite une très bonne fin de saison. Ce sprint final, 6 derniers matchs, ça reprend dès dimanche pour vous, avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Merci d'avoir partagé un peu de votre quotidien avec nous et de nous avoir accueillis ici, chez vous. Bon courage pour la suite aussi de vos carrières respectives. Merci à vous. Merci. Bien sûr, merci beaucoup à l'AS Saint-Etienne, à ses dirigeants et à Geoffroy Guijard. Nous, on se retrouve très vite à Paris, dans le vestiaire, avec Hervé Renard, dès lundi, 22h45. Très belle semaine à tous.